Du haut de ses 19 ans, Matt Haidrolli, natif de Te Hau'o, collectionne déjà plusieurs titres internationaux, comme son grand frère Manoa Drolli. Le surf, une passion depuis son plus jeune âge, la passe de Hau'o n'a plus de secret pour lui. Te Hau'o, une commune où il aime s'évader, un lieu qui lui a tout donné. Là où j'habite, c'est là où je passe le plus clair de mon temps. À peu près la moitié de la journée au moins, si ce n'est pas toute la journée, dès qu'il y a des vagues. Donc c'est sûr que c'est là où j'ai envie de faire un bon résultat. Et je connais bien la vague, j'espère qu'il y aura des vagues pour pouvoir montrer ce qu'on peut faire. L'an dernier, Matt Haidrolli manque de peu la victoire aux Trials. Cette année, son objectif est de les remporter et se qualifier ainsi pour le main event. Mon objectif premier, depuis que je vis à Tchopo, j'ai toujours rêvé de me qualifier pour la grande compète. Et le fait d'avoir les trials, ben, ça aide nous, les Tahitiens, à pouvoir être sur la scène internationale. Et j'espère qu'un Tahitien va pouvoir se qualifier cette année. Les pré-trials sont démarrés aujourd'hui. Les 8 meilleurs rejoindront les trials. Deuxième derrière Kevin Bourez, il a donc réussi son pari, fait partie des meilleurs Tahitiens qui s'affronteront demain, avec toujours le même objectif final, se qualifier pour le main event du 19 au 30 août prochain.